Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci enfin, ça y est, je le promettais depuis genre 45 épisodes, on va s'attaquer enfin à un match de la Carmine Corp parce que quand même c'était la finale des EMEA Masters la semaine dernière, c'était la grande finale à Montpellier juste avant le LEC. Moi je me dis bon, pour une fois que j'ai le temps de me poser, de regarder un match des EMEA Masters et en plus comme ça, ça me donne un moyen de faire un petit combo finale des EMEA Masters, patch 13.18 et derrière la finale du LEC, même si ça va être un peu plus rapide que cette game-là, et ben moi, je vais pas me plaindre. Donc, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la Carmine? Parce que c'est vrai que du coup, ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de faire un épisode sur eux et de parler un petit peu de l'équipe, parce que je trouve que c'est une équipe assez intéressante, que ce soit en termes sportifs et extra-sportifs, et même en termes individuels de draft, de mentalité, tout ça, et on a vu aussi que dans cette game, les trois se sont un peu emmêlés pour faire un truc assez intéressant et surtout que la finale contre Movistar Rider a été très disputée et vachement plus disputée que ce que je pensais parce que je vais pas vous le cacher qu'il y a 5 games dans ce BO, j'en ai vu que 4. La seule game que j'ai pas vue c'est la game 3 parce que j'avoue que quand j'ai regardé les deux premières games, j'avoue je me suis dit bon c'est la Carmine, ils viennent d'exploser les Movistar Riders deux fois de suite. Bon, je pense que j'ai pas forcément besoin de voir la dernière game, ça va être un 3-0, emballé, c'est pesé. Bon, c'est pas exactement passé comme ça. Et donc finalement, les Movistar Riders qui sont réveillés déjà, premièrement après deux premières games, sur lesquelles, voilà, c'est assez compliqué de réussir à reprendre, on va dire, cette mentalité de gagner et reprendre ses esprits après avoir pris deux games comme les deux premières games contre la Carmine. Tout ça, ça a été grâce à pas mal d'individualités. On va pouvoir parler. On peut parler bien sûr de Isma en jungle, de notre petit français, de Supa, l'ADC également, et par contre aussi également de la personne qui va être un peu le focus de cette dernière game, puisqu'on va analyser la draft de la dernière game de ce BO, qui est la game décisive, on va dire, qui a permis à Carmine de s'empêcher le river sweep. Et la personne qui a eu le plus d'impact dans la game du côté Movistar Riders dans cette partie-là spécifiquement, c'est indéniablement le midlaner Frescovi, que j'écorche d'ailleurs en termes de nom certainement, mais malheureusement je ne sais pas trop comment prononcer le truc, donc on va aller comme ça. On va y aller comme ça. Donc voilà, on va analyser la cinquième game à partir de maintenant en regardant un petit peu les points positifs, négatifs, en allant par ban, puis par pick, tout ça en gros, suivre l'ordre de la draft et revenir sur quelques actions clés dans la game après, plutôt que de faire une analyse énorme de la game comme ce que je fais dans certains épisodes. Donc voilà. Déjà, juste petite dernière tangente avant de commencer la draft. Sur Goal, donc Game of Legends, il n'y a pas encore le truc de la Carmine contre Movistar Riders. Ce qui fait que c'est bon, cet épisode va être un peu plus ghetto que ça pour pouvoir consulter les drafts des games précédentes. Donc on a des super images que j'ai pris en mode screenshot un peu à l'arrache. Mais voilà, ça va fonctionner, ne serait-ce que pour un peu expliquer les tenants et les aboutissants. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que le premier ban de la Carmine, Kai'Sa, c'est un ban où il faut quand même avoir vu les autres games pour comprendre pourquoi. Alors évidemment, on va dire que dans un vide, en isolation, Kai'Sa c'est quand même un personnage qui est assez fort dans la méta à l'heure actuelle, malgré les nerfs qu'elle a subis. Puisque déjà, premièrement, c'est un personnage qui peut être flex à la fois en mid et en bot lane. Mais également, c'est un personnage qui a plusieurs builds. Et donc, elle peut jouer avec le mode poke AP, avec le statique, avec la Dawn Nashor, et derrière, les items mythiques, tu changes en fonction de la game. Mais à l'heure actuelle, c'est plus intéressant de prendre Liandry ou Luden que de partir sur la Guinzo, même si la Guinzo te donne l'amélioration du Q. C'est pas forcément ce que tu cherches à faire dans la plupart du temps quand tu joues poke avec Kai'Sa, tu cherches plus à spammer les Z. Mais voilà, au moins, il y a cette animisation-là AP qui, en plus, a quelques variantes en elle-même. Et il y a l'optimisation full AD qui est là spécifiquement pour lorsque tu la joues en bot lane et que tu es avec un midlaner AP, notamment par exemple un Azir par exemple, qui va être plus une optimisation à base de Kraken Slayer into. Comment on appelle ça Prestelam Navori, c'est ça. Et derrière, tu fais un peu près ce que tu veux. Plus accès full AD, amélioration du Q uniquement voire E, et tu rentres dans la game et si tu tapes en isolé sur un mec, tu one-shot, en gros. Donc c'est un potentiel qui est assez intéressant parce qu'en plus, les deux variantes de Kai'Sa n'ont pas la même thématique de draft. Ce qui fait que tu peux caser Kai'Sa dans plusieurs drafts différentes, parfois des drafts diamétralement opposés.
Et donc ça le rend le pick extrêmement fort à B1 parce que forcément tu peux te dire ok là tu sais que j'ai pris Kai'Sa en premier mais tu sais pas quel draft je vais faire encore parce que j'ai encore capacité de pivoter sur une draft full engage, dive, full go in ou sur une draft plus poke. Et par exemple les ADK qui sont plus défensifs, alors je vais mettre Xayah même si c'est pas forcément mon exemple parce qu'elle se fait aussi counter par Kai'Sa dive parce qu'elle peut, Kai'Sa peut passer derrière son appel de plume. Mais d'autres AD carry axés sur la défense, on va dire, ou en tout cas sur le fait de pouvoir, match les DPS short range de Kai'Sa, comme Aphelios par exemple. On peut aussi penser à Zeri et même dans une moindre mesure à Kalista. Tous ces champions-là sont des champions qui pourraient counter hein, une Xayah qui veut dive in, mais si la Xayah, enfin la Kai'Sa décide de partir en mode poke, tous ces champions-là sont counter maintenant. Parce qu'ils ne peuvent absolument rien faire contre Kai'Sa qui spam ses Z en fait. Vous pouvez essayer d'esquiver. C'est alors peut-être que là que ces deux champions, Zeri et Kai'Sa, ont peut-être un peu plus d'outils. Mais par exemple, pour Xayah et Aphelios, c'est horrible. Parce que tu peux pas interagir avec une Kai'Sa qui spam ses Z. Et donc forcément, ça, c'est très très avantageux dans les drafts. Et je peux comprendre pourquoi est-ce que la Carmine la banne. Je sais pas trop comprendre pourquoi est-ce qu'il la first pick pas. Je suppose que c'est parce qu'ils avaient forcément une meilleure idée en tête, potentiellement. Mais je pense que c'est un champion qui est assez fort dans le méta et qui peut être blindable en B1 assez facilement. Mais au moins le fait qu'elle soit ban, je peux comprendre. Surtout que si on regarde les games précédentes, voilà, Freskovi qu'il avait joué en... Ah, je sais pas s'il avait joué en mid lane ou en bot lane d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait un Lucian mid à un moment. Mais oui, en tout cas, la Kai'Sa en plus, ouais, qui a été rejouée en plus, ça a été un pick qui a été souvent joué par les Movistar Raiders. Donc voilà, alors j'ai essayé de passer un peu moins de temps sur le reste des bans, mais ça, c'est pour le coup, c'est un truc que j'avais remarqué au moins principalement dans les premières parties. On a le ban de Nila, lol, parce que, alors là, pour le coup, ça va être assez facile à expliquer si vous avez vu le BO, hein, je pense. C'est qu'on a eu des games... Alors, ils ont réussi à la sortir ou pas? Ils ont pas réussi à la sortir parce qu'elle a été ban tout le BO, c'est ça? Oui, c'est ça, elle a été ban tout le BO. Donc, en gros, le lore de derrière Nila, c'est qu'il y avait Kameto qui sur son stream... teasait la bot lane secrète de la Carmine depuis plusieurs temps et même avant le début des EMEA Masters et il la sortait pas et tout, on se demandait mais qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elle existe vraiment cette bot lane secrète, et à un moment ils ont sorti ça contre les Wildcats je crois que c'était contre les Wildcats en premier ou alors c'était en tiebreaker mais bref, et ils ont sorti la fameuse bot lane Nila Senna et je pense qu'ils ont un win rate de 100% dessus. Je pense qu'ils détruisent assez facilement les games. Alors la synergie entre Nila et Senna, je vais le dire assez rapidement, mais en gros, l'avantage c'est que Senna est buff par Nila parce que c'est un support qui n'a pas besoin de prendre les CS, mais qui gagne quand même pas mal d'économies en elle-même, ce qui fait qu'elle a pas, elle a plus de gold en général que d'autres AD carry, que d'autres supports, et qui en plus a des dégâts intéressants, qui peut servir de véritable carry dans l'équipe. Et Nila, de l'autre côté, aide aussi Senna parce que son passif fait qu'elle gagne plus d'XP que les autres. Les deux laners gagnent plus d'XP que leurs adversaires. Et en plus, Nila, elle est. Comment dire, Nila se fait heal par les heals de Senna. Et Senna obtient le shield de Nila qui empêche les auto-attaques et qui réduit les dégâts magiques. Bref, ce genre de synergie est plutôt intéressante et je pense que c'était une botlane très, très cool qui était sortie par la Carmine. Et du coup, Nila n'a pas été touchée du BO et ça a été ban pendant 5 games par les Movistar Raiders. Ensuite, on a eu le bannissement de LeBlanc. Alors LeBlanc, c'est un ban blue side qui est assez, on va dire, commun. Même si je comprends pas particulièrement pourquoi. Je comprends que c'est pour éliminer un peu la variance parce que c'est un champion qui, s'il prend un ou deux kills, il peut commencer à être très vite assez chiant. Mais en fait, je trouve que bizarrement, la variante de LeBlanc statique, surtout après tous les nerfs, est peut-être la moins forte des variantes de LeBlanc qu'on a eu ces dernières années, parce que on a un champion qui a pas autant de dégâts, qui a certes un peu plus de wave clear, mais de moins en moins avec plus le statique se fait nerf, qui manque d'AP et donc qui manque de capacité de one shot en général, et même si elle peut poke un peu plus et peut-être ramasser quelques kills en faisant des ricochets, c'est loin d'être la meilleure version possible, surtout que maintenant avec le 13.15, je crois qu'ils ont enfin supprimé l'interaction avec le Night Harvester, je crois, ou c'est le 13.16. Mais bref, le fait est que, normalement, bon, le combo statique est encore plus faible qu'avant. Et à ce point-là, à ce moment-là de la méta, et après tous les nerfs qui se passent, je pense que ce serait plutôt intéressant de juste partir sur le blanc full AP, comme avant. Surtout que le buff qu'elle a reçu au niveau du Q-spell qui fait des dégâts supplémentaires en fonction des sbires, enfin sur les sbires, justement,
fait que bon bah son Whiffler n'est pas si dégueulasse que ça hein, en vrai. Donc honnêtement, quitte à faire ça, autant partir full AP. Mais le blanc a toujours les, on va dire, les mêmes problèmes que d'habitude, qui est que c'est un champion qui manque un peu de DPS à elle toute seule. Mais qui quand même a demande à être full AP, enfin à être solo AP, parce que sinon elle peut pas one shot. Parce que ça donne trop de capacité de l'adversaire de partir sur la résistance magique et même aussi de l'anti-CC potentiellement, donc pour résister aux chaînes et aux ganks. Et en même temps de ça, c'est pas un père champion qui a le meilleur wave clear, c'est pas un champion qui a... En fait, si tu arrives pas à trouver les one shots que tu cherches à trouver avec le blanc, c'est assez compliqué. Et en fait, la seule chose qui rend le blanc intéressante, c'est si tu arrives à la pique dans une contre une composition qui a besoin de catch le midlaner en face. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, vu que tu pourras jamais tuer le blanc, ça va être assez facile pour elle de briller dans la game, on va dire. Mais bref, je suis pas forcément très fan de ce genre de ban, mais je peux la comprendre parce que c'est un bannissement qui est assez commun dans les parties en général. Mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Le ban de Taya du côté de Movistar Riders, alors je sais pas s'ils ont vu les games de Razor, parce que je sais pas s'il a été joué. Non, je crois qu'ils l'ont ban aussi toutes les games, c'est ça? Ils ont l'air d'avoir ban aussi toutes les games. Je sais pas si Syncroft ou Seikon ont sorti la Talia. En tout cas, c'est un personnage qui est pour le coup aussi assez fort dans la méta parce que assez versatile, peut être en mid lane et en jungle. Mais pour le coup, elle est un peu moins forte en termes de flex que Kai'Sa parce qu'elle a toujours le même thème, peu importe son positionnement, qui est plus un thème assez défensif d'ailleurs. Mais voilà, elle a aussi la capacité de gagner contre certains matchups comme le matchup Azir et ça va être intéressant avec la draft plus tard. On a le bannissement de Rell qui est un jungler un peu à tout faire dont on avait parlé déjà dans les deux derniers épisodes de Draft Gap dans les deux matchs de Fnatic contre BDS et MAD où c'est un champion qui a la capacité encore une fois d'être un flex en jungle et en support. Bizarrement, tu voyais les bannissements, c'est toujours des bons blind picks qui font que tu peux les pick assez sereinement et en même temps pas forcément trop en dévoiler sur ta composition, mais pareil. Même si Rell là est pas encore une fois pas aussi versatile que Kai'Sa. C'est un personnage qui peut être flex en support et en jungle pour éviter les matchups dégueulasses et qui en plus a une capacité d'engage assez intéressante et qui débloque pas mal de possibilités de pick, notamment un truc genre Yone en mid lane qui a juste à mettre un gros outil derrière sur un truc sur 5 joueurs, enfin sur un combo de 5 joueurs de Rell, ce genre de game, ou un Zir avec une partition impériale par exemple, n'importe quoi. Et il y a de très fortes chances que il y a une Rell, voilà c'est ça, il y a une Rell dans la première game où Kaliste a joué Yasuo en bot lane. Voilà, donc pareil, un combo que je trouve assez intéressant aussi avec Rell qui met un gros engage sur tout le monde, qui bump tout le monde et qui derrière permet à Yasuo de comboter tout ça. Donc voilà. Et ensuite, on a le dernier ban qui est celui de Senna cette fois-ci parce qu'ils se sont dit bon, Nila et Senna, c'est chiant en fait. Parce que encore une fois, bah, première game, tu joues Senna et Yasuo en bot lane. Senna qui a une capacité en plus après les différents buffs et en plus les buffs qu'elle va recevoir en 3.18 si je me trompe pas. Et un champion qui a une énorme capacité de pouvoir créer des botlanes assez particulières, on va dire. Où un carry qui n'est pas censé pouvoir last hit en botlane sans se faire péter la gueule peut avoir un peu plus de sûreté parce qu'il joue avec un AD carry qui en support qui peut poke les gens et les tenir un peu à distance, en plus d'avoir un heal intéressant. Et du fait que Senna peut être un carry entre guillemets intermédiaire, puisqu'elle n'a pas besoin de prendre les sbires pour avoir une économie plutôt ok. Et donc, elle a juste besoin de farm ses âmes qui spawnent plus quand elle ne cite pas les sbires. Donc ouais, ça crée des combos assez intéressants. On a vu Yasuo, mais il y a eu un moment dans les méta où il y avait Wukong qui était souvent utilisé. Il y avait bien évidemment le Senna Tamkench qui est utilisé également, où c'est Tamkench qui prend les sbires. J'avais vu des itérations, notamment avec Fnatic, il y a quelques années, avec Zilean aussi, de leur côté. Et avec Seraphine potentiellement aussi. Donc ouais, c'est un champion qui est assez versatile et il y a énormément de champions qui peuvent rentrer en botlane avec elle et que ça ouvre des possibilités de draft assez intéressantes. Il y avait Karthus également qui avait été pris et qui en plus était assez fort dans la méta en général. Dommage qu'il ait jamais été pris alors qu'il était broken. Bref, c'est bon. On a fait les bans. Maintenant, on va passer au pick avec Maokai qui va être first pick de la part de Carmine Corp. Très très bon pick aussi, pareil. Alors lui, pour le coup, c'est pas un pick qu'un flex de position. C'est-à-dire qu'il peut être joué théoriquement en top lane ou en support, mais c'est rarement le cas ces derniers temps. On sait par contre que c'est un champion qui peut très facilement jouer dans une composition plus en niveau de langage, en mettant son ulti et en forçant l'adversaire à abandonner la position ou à avoir un mec qui prend les ronces pour les autres, mais qui du coup force l'équipe adverse à se mettre en ligne et donc potentiellement à se mettre en place dans une position où c'est facile de faire un gros combo sur 50 personnes et les one-shots.
Et derrière, par contre, tu peux aussi utiliser ce même ulti défensivement. Et donc, ça fait aussi, ça le rend aussi très fort dans les compositions de disengage. Donc ouais, très très intéressant comme pick. Et je pense que c'est un très bon force pick puisque il permet pas mal de possibilités de draft encore une fois à la manière d'une case. Mais cette fois-ci un peu plus dans la jungle. Du côté de Movistar Riders, on est parti sur une Sejuani. Alors je suppose que c'est parce qu'il y a très peu de junglers qui restent dans la game. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas être parti sur un des gros picks du moment qui est assez facilement jouable dans des games même contre un Maokai, c'est Ivern. Pour la simple et bonne raison qu'il peut mettre sa Marguerite devant lui au cas où si, s'il y a des gens qui viennent. Et en plus, en général, c'est un pick qui permet à son équipe entière d'avoir une tankiness assez élevée grâce à ses shields, grâce à l'interaction avec la Moonstone, grâce à Daisy qui joue le rôle basiquement d'un sixième joueur, et ce genre de truc, tout en ayant un clear de jungle qui est à la fois rapide et aussi très difficile à punir parce que il peut juste clear les camps en 3 secondes s'il veut quoi. Donc ouais, un champion qui était assez intéressant à prendre en premier, mais je suppose qu'ils ont voulu partir sur ces jeunes. Peut-être que Isma a pas particulièrement joué Ivern, je pense qu'il a peut-être pas sorti ses dernières games, et qu'il a peut-être pas envie de la sortir, ouais c'est ça. C'est peut-être pour ça. Mais ouais, je pense que c'est aussi... Ça c'est peut-être une des premières raisons pour lesquelles Movistar Riders n'a peut-être pas pu capitaliser contre la Carmine, c'est le fait qu'on n'ait pas cette capacité de pouvoir pick Ivern du côté des Movistar Riders. Karthus aussi pareil, hein, c'est un pick qui a été joué déjà en LEC et qui peut aussi être un très bon jungler. D'autant plus que Maokai peut pas particulièrement faire grand chose contre un Karthus, c'est-à-dire que Karthus s'en fout un peu d'être root puisque tout ce qu'il veut c'est faire des dégâts en général et la mort ne l'empêche pas particulièrement de faire des dégâts. Ça lui rend même plus facile pour lui de faire des dégâts d'ailleurs en général. Et Maokai peut pas match le clear de jungle de Karthus, et ce qui permet à Karthus non seulement d'être full clear plus vite, mais aussi de pouvoir gank aussi forcément plus facilement parce qu'il a une économie en général plus rapide et un tempo plus rapide en général. Donc voilà, c'est des picks par exemple en jungle qu'on aurait pu prendre à la place de Sejuani, qui montre que ouais, si Isma n'est pas capable de les jouer, ça pose un peu problème dans les drafts de l'équipe parce que tu te retrouves à piquer une Sejuani qui certes n'est pas non plus un pick dégueulasse dans la méta, hein, je suis pas en train de dire qu'ils ont été forcés de piquer un champion pas fou, mais c'est juste que je pense qu'il y avait des meilleures opportunités de pick, surtout dans les premiers comme ça, et que pour le coup Sejuani n'est pas forcément un champion qui counter Maokai en réalité, parce que enfin Maokai a des outils qui permettent de faire en sorte de nullifier un peu l'engage de Sejuani, parce que bon, imagine Sejuani met une prison de glace, un tombeau de glace comme elle le lance, ou alors c'est Lissandra, je pense, je sais plus, bref, en gros elle met son ulti sur un Maokai, si Maokai buffer son ulti à lui, bah, tu peux pas forcément trop foncer dans un Maokai qui a des ronces qui avancent vers toi quoi, donc c'est un peu compliqué pour elle de jouer en général. Elle n'a pas particulièrement un clear de jungle qui est plus rapide que Maokai en général, et elle a tendance à vouloir trop rentrer dans un champion qui est assez fort quand on lui rentre dedans justement, donc ouais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne opportunité de counter pick. Et derrière du coup en termes de blind pick, c'est le Renekton qui va être pris en top lane. Bon, Renekton qui est un pick assez standard et assez on va dire versatile entre guillemets, dans le sens où il peut faire even avec pas mal de laners en top lane, et qui est donc considéré comme étant un pick assez safe, même si toujours punissable. Je pense qu'il y a pas mal de picks on va dire qui peuvent assez facilement match le Renekton et lui péter la gueule on va dire, comme un Jax par exemple qui a pas été joué très souvent ces derniers temps. Mais ouais, c'est un champion qui est on va dire assez versatile, dans le sens où il peut rentrer dans pas mal de match-up comme je l'ai dit, mais aussi même si t'es pas dans une composition on va dire qui complimente un peu son thème, c'est-à-dire le go-in, les drafts plutôt proactifs et agressifs on va dire, le rentre dedans quoi, et ben ça peut quand même servir d'un tank assez ok avec le Dawnbreaker à l'heure actuelle, et on va dire actuellement, parce que c'est les statistiques qu'il a à l'heure actuelle sont assez fortes, même en tant que off tank entre guillemets, parce que les items brisants lui donnent énormément de PV et de tankiness en général. Je pense à, on va dire, si imaginons il fait Gordrinker, Couperet Noir, Sterak, Lithoblastron, c'est basiquement un tank quoi. Donc ouais, clairement le fait que les items brisants donnent de plus en plus de HP lui permet d'avoir une tankiness qui fait que ça reste un tank pas dégueu, même on va dire dans le cas où tu cherches à forcément pas à être aussi agressif que le Renekton permet. Même si, pour le coup, c'est un champion qui a principalement un seul thème, qui est le fait de go-in. Et même si c'est plutôt ok avec Sejuani, et que c'est une paire qui fonctionne très bien, parce qu'on a des dégâts mixtes, parce qu'on est du double mêlée, donc le passif de Sejuani marche plutôt bien, et que ça donne
possibilité à potentiellement des tours d'avis intéressants, ça reste un duo qui est assez unidimensionnel. Quoi. C'est-à-dire que tu vas foncer sur l'adversaire. C'est pas une composition de disengage avec laquelle tu vas jouer ces deux picks-là. Donc ça crée potentiellement un angle pour la Carmine de partir sur une composition plus défensive et donc de pouvoir contrer thématiquement la composition des Movistar Riders, qui est déjà assez avancée dans leur thématique de draft, pour ne pas forcément pouvoir pivoter aussi facilement que ça vers une draft plus intéressante contre une composition plus défensive. Et c'est d'ailleurs comme ça que du coup, sans absolument partir sur un counter pick top lane, la Carmine pull the trigger et part directement sur Xayah et Azir en B2 et B3. Ce qui est une très bonne idée, parce que pour le coup, on a une composition ici qui est assez, on va dire, thématiquement cohérente, puisque comme j'ai dit, le Maokai peut jouer en mode full défensif, la Xayah peut jouer en mode full défensif, c'est son thème principal, tout comme Azir justement. Et du coup, derrière, bah, quand tu as deux picks qui sont full go-in, comme la Sejuani et le Redecton, et ben forcément, ces trois picks-là counter complètement la draft en face. Donc, thématiquement déjà, on a une grosse avance du côté de la Carmine Corp, et c'est assez compliqué pour Movistar Riders de réussir à pivoter, on va dire, dans une draft un peu plus intéressante. Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement, et c'est peut-être là que, selon moi, les Movistar Riders perdent la draft, c'est le pick Zeri juste après. Zeri, c'est exactement pareil que c'est Giovanni, que Renekton, c'est un pick qui est là principalement pour go-in. C'est-à-dire que t'appuies sur R, et derrière, tu fonces, quoi. Tu peux essayer de kite un peu avec Zeri, mais elle n'a pas tellement d'outils défensifs à part sa vitesse de déplacement pure, vitesse de déplacement opérée par son ulti qui a été nerf énormément depuis sa sortie. Ce qui fait qu'elle est clairement pas aussi mobile qu'avant, et donc c'est très souvent un champion qui est là plus pour suivre une engage, on va dire, qu'un champion pur de poke ou un champion désengage, on va dire. Donc là, on a trois champions qui go-in dans trois champions qui défendent. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'une composition pierre qui affronte une composition ciseau, en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a pas grand-chose à faire du côté de Movistar Riders. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la seule chose qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle, c'est de prier pour que les lanes en elles-mêmes soient suffisamment exploitables pour pouvoir sortir de leur league game avec 5 gold d'avance à 20 minutes, basiquement. Si c'est le cas, ils peuvent utiliser leur avance de gold pour pouvoir quand même rouler sur la Carmine, même malgré même avec leur déficit de draft, quoi, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que la draft est très très mal engagée en général. Surtout qu'on n'a pas encore counter-pick en la top lane, et il faut réussir à trouver un pick qui va counter le Xerath de manière efficace, quoi. Et on a encore le counter-pick support, même si je crois qu'ils vont le laisser au support... ouais, ils vont le laisser à Alvaro, ce counter-pick. Bref. Du côté des bans, on a banni du coup le Xante du côté de Movistar Riders, parce que forcément on essaie de punir le fait que la Carmine n'a pas encore pick de top laner alors qu'eux l'ont fait. Du coup, ils s'empêchent de... Bon là, de pick forcément débattablement l'un des meilleurs top laners du jeu à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur top laner du jeu, Xante. Hein, je pense que vous avez vu de quoi il est capable si vous avez regardé une game compétitive dans laquelle il était présent ces derniers temps. C'est simple, on va regarder l'historique. Donc Xante, il est en 1-0, il est en 2-0, il est en 2-1, il est en 2-2, ok, ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment en mode full victoire et que ça s'est passé du côté de Movistar Riders, mais ok. Le fait est que voilà, Kabochar, ça fait genre littéralement 4 games qu'il joue Xante, littéralement. Donc ouais, Movistar Riders se dit, bon, peut-être que c'est une bonne idée de lui empêcher de prendre ce pick une énième fois, on va dire. Ce qui n'est pas non plus si dégueulasse que ça en réalité, mais après, il faut se dire que c'est pas forcément le champion qui serait le plus idéal dans la draft de Carmine, parce que Xante, c'est un champion plus offensif, c'est un champion plus go-in, et ce qui est pas du tout dans la composition de Carmine Corp, c'est pas forcément le sujet, on va dire. C'est un pic contre-sens, ma chérie, tu as contre-sens, on va dire. C'est-à-dire que voilà, si tu le piques, il va pas forcément vouloir faire les mêmes choses que veulent faire les champions de la Carmine à l'heure actuelle. Donc voilà, un bannissement qui se comprend, mais qui est pas particulièrement optimal, on va dire. Du côté de la Carmine, ça va bannir le Alistar, si je me trompe pas, c'est ça, qui est donc un support qui est souvent intéressant pour go-in, et aussi pour désengage, même si bon là, c'est clairement un pic de go-in, on va dire. Et je pense que c'est peut-être intéressant de bannir ce genre de pic, parce que c'est l'un des rares pics qui peuvent permettre à Movistar Riders de, on va dire, pivoter vers une draft potentiellement plus défensive, ou vers plus axée vers le poke, puisque forcément, c'est un moment où tu essaies d'engage un champion qui potentiellement aurait l'outrange, par exemple, hein, on sait jamais, on va, voilà, wink wink, on va y aller, on va y revenir.
Et ben forcément, tu vas vouloir être, enfin tu vas être obligé d'engage si t'as pas l'avantage de la range de la carmine, même si t'as une composition qui veut défendre en particulièrement et principalement. Donc c'est intéressant d'avoir ce bannissement d'Alistar parce que Alistar c'est un bon champion pour disengage. T'as un champion qui essaie d'engage en face, bah tu lui mets un coup de tête et il part à Valdinguer en gros. Et du coup c'est un champion qui est très intéressant pour pouvoir justement résister à ce genre de truc. Pareil pour l'atomisation qui peut être utilisée pour nullifier un dash in d'un adversaire. Et l'ulti qui lui permet de tanker assez longtemps et de potentiellement avoir deux rotations de combo la plupart du temps dans les teamfights. Derrière la le dernier ban de Movistar Raiders sera un Jax. Alors là pour le coup ça, bon, je sais que c'est un, voilà pareil, je l'avais dit, je sais que c'est un top laner qui est fort dans la méta. Ça se trouve peut-être qu'il a déjà été ban ou pick dans la game, peut-être même pas. C'est un peu bizarre d'ailleurs dans ce cas-là du coup. Peut-être parce que c'est la KC qui a pris le top lane on va dire quasiment tout le temps, donc il sortait pas d'obligation de ban. Mais du coup, ouais, je sais que Jax est fort dans la méta, mais encore une fois, pareil que Xanté, c'est pas un champion qui est là pour faire la même chose que ce que veut faire la Carmine, qui a l'avantage dans la draft à l'heure actuelle, donc je pense que c'est pas forcément un piqué si intéressant que ça dans la méta. Pas forcément dans la méta, mais si, dans la méta c'est intéressant, mais pas dans la draft Carmine. En tout cas. Et enfin, on a le bannissement de la Carmine qui sera du coup la Harry. Alors pour le coup, la Harry, je pense que c'est surtout un pic pour éviter que potentiellement il y ait des possibilités de snowball, on va dire, parce que on va dire par exemple, imaginons la Harry elle touche un bisou quand le Azir a plus son dash ou quand il a déjà Q spell, ce genre de truc. Ça peut être compliqué derrière parce que s'il a assez de Johnny là sur le même timing, il peut se faire go in, il peut se faire prendre. Et dans ce cas là, c'est assez compliqué de gérer un snowball qui peut passer sur toutes les lignes puisque la Harry derrière elle peut décaler plus rapidement et plus facilement que le Azir. Et voilà, c'est pas forcément un ban thématique ou un ban lié au teamfight, mais plus un ban qui est là pour empêcher les Movistar Raiders d'exploser la game avec leur composition. Surtout que c'est un champion qui rentre dans leur composition parfaitement, puisque c'est encore un champion qui est là pour engage. Voilà, voilà. Donc, on a terminé avec les bans, et là on va partir sur le pick, bah qui, voilà, le meilleur pick, on va dire, de la composition des Movistar Raiders, c'est le Xerath de Frescovi. Honnêtement, s'il n'y avait pas le Xerath, je pense que j'aurais peut-être pas fait la 5ème game, honnêtement, parce que c'est un peu... C'est un peu le symbole de la puissance, on va dire, et la faiblesse de Movistar Rider dans cette composition-là. Le Xerath est potentiellement le meilleur pick possible. Je pense que c'est assez compliqué de faire de pick un meilleur champion dans ce slot-là de la part de Movistar Rider, à part peut-être le Vel'Koz, pour pouvoir melt, on va dire, potentiellement détruire la frontline en face. Même pour l'instant, il n'y avait que Maokai, donc ça se trouve, il n'y avait pas à avoir plus de frontline que ça, donc je ne peux peut-être pas te permettre de pick Vel'Koz aussitôt dans la partie. Après, t'aurais pu potentiellement te dire, on s'en fout, on part direct sur un support, on pique un random de Tillus, et puis derrière, on laisse le counter pick pour être sûr de voir le top lane en face et se dire, ok, si c'est un tank, derrière, on part sur le Vel'Koz. Et là, on a une encore meilleure composition parce que le Vel'Koz est naturellement, de par son passif, de par son ulti, vachement plus intéressant pour ce qui est de détruire, de faire fondre une frontlane et de faire fondre les tanks. Donc voilà, à la place ils ont pris le Xerath dès le début comme ça parce qu'ils savent que c'est un pick qui est très fort contre le Azir en général en matchup en isolation puisqu'il outrange, mais là ce qu'on voit aussi c'est qu'il outrange toute la composition Carmine pour l'instant. Et sachant que la Carmine a déjà pick leur jungler qui est un semi-carry plus leurs deux carries principaux, bah tu peux pas forcément pivoter en dehors de cette composition plus défensive. Pas forcément se dire ok maintenant en fait finalement on va engage, même si le Maokai c'est intéressant pour engage et que le Azir a une partition impériale qui peut être intéressant, bon c'est pas non plus comme si on était sur des possibilités d'engage infinies quoi, c'est même plutôt l'inverse en réalité, ça demande d'être un peu meilleur que son adversaire et là il y a déjà une grosse frontline qui peut se permettre de tanker l'ulti Maokai, donc c'est pas une composition qui est non plus très dégueulasse dans on va dire l'optique de défendre une engage quoi. Donc voilà. Au moins, on peut dire que du coup, le Xerath, comme il counter l'intégralité de la composition de la Carmine, l'avantage principal qu'il a, du coup, c'est qu'il va forcer la Carmine à engage si cette dernière se prend trop de poke dans la partie. Donc, c'est un champion qui, par son poke, counter sa composition adverse. Mais le gros problème qu'on a avec Movistar Raiders, et qui n'est pas forcément le problème de ce Xerath, c'est qu'en fait, c'est le seul champion poke de la draft. Et à l'heure actuelle, même si tu décides de partir un peu sur un support qui peut faire ça, pour le coup, l'un des rares supports qui pourrait essayer de continuer à poke de la même manière qu'un Xerath, ce serait ironiquement un Maokai placé en support qui peut essayer de faire des trucs. Ou alors peut-être à la limite essayer de partir sur une Sejuani en support.
Et peut-être partir sur un jungler poke à la limite. Genre un Karthus à la limite. Mais de toute façon, là, du coup, on a un poke qui est principalement AP. Donc en fait, il faudrait un champion AD en réalité. Donc ouais, à part mettre peut-être flex le Xerath support, mais c'est plus trop intéressant avec le rework. Et on a des pokes en support, il n'y a pas grand monde, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout, en fait, pour être honnête. Donc, ouais. En fait, le seul truc qu'il aurait pu faire, c'est d'être flex. Non, en fait, on est déjà dans la merde, en fait. C'est ça le problème. En fait, on est déjà dans la merde. Parce que justement, en fait, c'est la pique de l'Azeri qui casse tout, malheureusement. Parce que, imaginons qu'à la place de l'Azeri, ce soit un Varus, par exemple. Si à la place, c'est un Varus, là, on a un poke AD et un poke AP. Qui entraîne la composition de la Carmine en face et qui permet du coup, qui donne accès à une composition qui peut être un counter thématique de la composition de la Carmine. Et dans ce cas-là, derrière, tu peux renverser un peu le truc. Mais, d'ailleurs, en Ezreal aussi, ça fonctionne aussi parfaitement d'ailleurs. Ça peut fonctionner complètement. Mais le problème, c'est qu'avec cette série, on a trop de champions qui veulent uniquement go in et pas assez de champions qui veulent poke. Et en fait, si on avait un deuxième champion poke là à leur disposition, là ça pourrait potentiellement fonctionner parce que t'as au moins deux sources de dégâts poke, ça peut être intéressant. Là, on en a qu'un seul. Dans la jungle, les champions poke AD, ben, y en a pas quoi. Donc c'est un peu compliqué pour les Muxa Riders de pivoter dans leur draft à ce moment-là. C'est ça qui me pose problème dans leur draft, c'est que ces trois premiers picks, des picks qui vont pas forcément fonctionner. Contre la composition de la Carmine et qui peuvent pas forcément pivoter d'une manière à être assez utile dans la composition des Muxa Riders s'ils décident de partir plus vers une composition poke qui elle aurait l'avantage contre la Carmine mais qui serait pas qui serait assez compliqué à réaliser vu les picks qui sont déjà lock quoi. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur pick parce que pour le coup il a un vrai matchup positif en mid lane, il a cette capacité potentiellement de snowball la game potentiellement s'il arrive à récupérer quelques kills via ses ultis dans les roams en bot lane ou en top lane. Mais il est tout seul quoi, c'est-à-dire que tu poses énormément de poids sur Frescovi et il faut que Frescovi fasse une performance énorme, genre vraiment 1v9 pur, pour pouvoir réussir à emmener les Movistar Riders vers la victoire quoi. Il faut qu'il touche tous ses Q-spells, tous ses sorts sur les carries derrière, les empêcher de jouer avant que les carries, notamment Xayah, arrivent à obtenir suffisamment de lifesteal pour pouvoir quand même passer à travers le poke. Mais même avec ça, il faudrait qu'elle soit particulièrement devant pour avoir ces items-là, bref donc. Il faut qu'il détruise la gueule des carries en face avec son poke en permanence. Quoi. Et le problème, c'est que quand tu mets autant de poids sur un joueur et que tu le mets sur un pick qui déteste sa life quand il joue avec les picks que tu as déjà sélectionnés en draft, bah, c'est que c'est assez difficilement, assez difficilement rentabilisé, quoi. Malheureusement. Parce que forcément, tu augmentes la variance de ta composition, tu augmentes les probabilités que ton joueur a de pas carry la game tout seul et donc derrière forcément ça te met dans une position très délicate. En plus derrière de la Carmine ils sont partis sur le Horn, c'est ça, qui est un bon pick pour le coup parce que ça permet de créer un matchup déjà qui est pas si dégueulasse que ça parce qu'en réalité Horn peut tenir le Renekton de manière assez facile. On va dire si c'est pas Wunder contre Adam ça devrait aller et encore putain j'ai vraiment je devrais pas dire ça parce qu'en plus derrière Wunder il a step up de fou, c'est juste la première game où il a joué Ant contre Renekton et je préfère oublier cette game on va dire mais derrière il a step up de fou donc on va plutôt dire que ouais si t'as pas énormément derrière en termes mécaniques contre Renekton tu devrais passer une game plutôt even parce qu'il peut pas forcément te tuer une fois que t'as récupéré suffisamment d'armure. Et on a à l'inverse, du coup, une fois que tu arrives en teamfight, tu peux avoir un impact positif sur le Renekton parce que, encore une fois, tu as ton ulti qui permet d'engage son équipe, mais aussi de réceptionner un potentiel go-in du Renekton parce que forcément, tu vas pas vouloir follow-up un stun de Renekton si tu as un ulti horn qui vient te slow et te fragiliser, puis derrière te bump. C'est d'ailleurs plus facile, vachement plus facile de toucher ton ulti avec horn si tu l'as fait contre des champions qui te go-in dessus, quoi. Si tu ne fais pas, évidemment, interrompre, on va dire. Donc ouais, c'est un sympi qui est plutôt intéressant dans la game en face. Et par contre, le seul problème que j'aurais, c'est qu'il n'y a pas encore eu de pick de Brome en face ou de ban de Brome. Ce qui fait que tu as une possibilité potentiellement de te retrouver contre un champion qui counter complètement ton ulti, en gros. Et ça, ce serait pas très très fou, quoi. Même s'il y a des manières de jouer autour de ça. Hein, mais généralement, tu préfères ne pas te retrouver contre un Brome, quoi, en tant que Horn. Et derrière, du coup, le pick support, ce sera un Rakan. Alors bon, pour le coup, c'est le seul pick où je serai en mode, bon, on n'a pas forcément besoin d'un Rakan, quoi.
Alors je me doute bien que c'est un pick qui peut être très intéressant dans le cas où Black Armin passe devant et que c'est il peut se dire ok on s'en fout en fait, on va juste le rouler dessus et foncer dans le tas. Dans ce cas là ça peut être intéressant d'avoir un Rakan parce qu'il va être là pour te mettre de se trouver ses engages, ce go in, ce bump, tout ça derrière, et potentiellement pouvoir comboter vers que ce soit une rafale de plumes de Xayah, un ultima Okai ou un flash on Moro. Non, on Moro c'est un flash Z mais je sais plus comment on appelle ça. Bref, une petite partie sur Impérial ou justement un ulti horde. Donc ouais, c'est un bon truc, c'est un bon champion pour ce genre de cas très précis, mais par contre, ça rentre pas particulièrement dans la composition thématique de la Carmine Corp. Donc c'est pas un si bon pick que ça, quoi. Mais au moins, ça donne une phase de lane ok tiers avec Xayah Rakan, et en plus, derrière, ça donne des possibilités dans la draft pour la rendre un peu plus versatile, parce qu'en réalité, Maokai peut servir d'engage techniquement. Azir, même si c'est pas son mode principal, peut faire des Shurima Shuffle, des trucs intéressants. Horn, pareil, peut engage avec son ulti. Et du coup, on a une composition qui, certes, est principalement défensive, mais qui est pas non plus trop dégueulasse pour ce qui est de l'engage. Et derrière, du côté de Moistar Rider, on va partir sur le fameux Pic Nautilus dont j'ai parlé plus tôt. Et pour le coup, ben là, c'est un peu le Six Feet Under, quoi. Mais en même temps, comme j'ai dit, la draft est déjà doomed à partir du moment où il y a l'Azeri, parce que ben derrière, tu peux pas forcément pivoter dans les deux derniers picks pour pouvoir arriver sur une draft poke, quoi. Et donc, tu te retrouves avec une draft où t'as pas particulièrement l'engage qu'il te faut, tenant pas particulièrement le poke qu'il te faut non plus. Parce qu'en fait, l'engage que t'as, elle est présente. Il y a un ulti de Sejuani, il y a un grab de Nautilus, tout ça. Mais en face, il y a tellement de disengage possible que c'est pas forcément une stratégie qui est viable dans cette game spécifiquement. Donc ouais, je pense qu'ils ont surtout pick Nautilus parce qu'ils se sont retrouvés un peu coincés avec leur pick précédent. Je pense qu'un Brom aurait pu être intéressant, mais même avec le draft qu'ils avaient. Mais au moins, on peut se dire, allez, sur un malentendu, si tu arrives à trouver des grabs dans la partie, des hooks sur des bons champions, pourquoi pas. Après, trouver des hooks sur un Horn qui a sa fournaise, entre guillemets, le fait de pouvoir interrompre ce CC-là, le Azir qui a une partition impériale, le Rakan qui a 14 dash, la Xayah qui a son ulti ou sa Gale Force, et le Maokai qui peut buffer son ulti derrière s'il se prend le route, d'ailleurs qui peut même buffer son Q-spell aussi pour faire à peu près le même effet. Donc ouais, c'est pas non plus des si bonnes cibles de ouf que ça, même si ça reste quand même possible. C'est surtout que je pense que à partir du moment où tu prends un pick carry comme l'Azeri qui ne peut pas poke contre la composition adverse, tu te renfermes dans ce rôle de go-in, même avec un Xerath, ce qui fait que tu te fais complètement counter par la draft de la Carmine et c'est vachement plus difficile pour toi de jouer la game, quoi. Donc ouais, c'est une erreur principalement de Movistar Rider dans les 2-3 premiers picks, mais je pense que ça a été très bien répondu par la Carmine, spécifiquement dans cette game-là, et c'est pour ça que je voulais analyser cette game, parce que je pense que même si on a Fresco qui a fait des trucs intéressants, on va pouvoir voir dans certaines actions de la game que c'est clairement pas une game dans laquelle il pouvait 1v9, même avec un champion qui a toutes les cartes en main pour le faire. Donc déjà, la première action qu'on peut regarder dans la game, c'est une action qui se fait très tôt à la 10e minute de jeu, où on a du coup un décalage global de la Carmine pour essayer de prendre de la vision et potentiellement d'initier un dive sur les Movistar Riders. Et on a Alvaro et Supa qui vont décider de go in sur Kalis, qui est un peu isolé techniquement du reste de son équipe, parce que vous voyez, là il est un peu tout seul, et ça va mettre du temps pour le Kraken d'arriver, ça va mettre du temps pour le Maokai d'arriver, même avec son 6, et du coup ils se disent ok, c'est peut-être le moment pour faire des trucs. Là malheureusement, le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont pas le Nautilus à Alvaro est pas encore 6, donc il peut pas comboter son hook avec son ulti, ce qui fait que ça laisse le temps à Kalis de mettre son ulti. On a quand même un flash chain de Alvaro et Supa qui dash in. Mais le problème qu'on a, c'est que tu peux pas forcément faire grand chose, parce que là après on a Stinkroft qui a balancé son ulti entre temps, on a Targamas qui arrive en ulti, Isma qui a pas encore son ulti et donc peut pas empêcher Targamas de foncer sur Alvaro, qui d'ailleurs a utilisé sa cleanse pour aucune raison d'ailleurs, malheureusement pour lui, parce que il avait plus son dash. Donc le fait de cleanse le charme quand t'as derrière un bump qui arrive, bah c'est pas fifou parce que tu te reprends le route derrière. Alors que là par exemple, si t'avais cleanse le route de Sigroff, peut-être que tu peux peut-être te barrer avant, je crois pas. Mais au moins tu peux essayer d'un peu plus gagner du temps et t'as plus de chances de survivre que si tu cleanse un charme qui de toute façon converge sur un bump. Donc derrière, ouais, c'est une première kit qui est récupérée du côté de Sigroff. Au moins on a Frescovi qui arrive de loin pour match un peu le semi-match, le roam de Seiken,
et qui récupère le 1 point. Ce qui, pour le coup, dans cette situation-là précise, on va dire que c'est even, ça va. Genre, on est toujours en égalité en termes de goal, même s'il y a 3 kills pour la Carmine. Et t'as pas forcément besoin d'aller plus vite. Alors derrière, il y a Varro qui fait des trucs bizarres un peu avec son Motivus, parce que bon, il y a zéro moyen de faire un truc avec le Grab, parce qu'ils ont zéro dégâts pour faire des trucs, et tu sais pas comme si Grab un mec sous tour à lui donner officiellement l'aggro quand il y avait des sbires. Mais derrière, il y a Frescovi qui a réussi à trouver un crash de lane, derrière il peut back, tout ça, c'est intéressant dans la game. En général, c'est pas trop mal. Mais du coup, derrière, on a plus l'ulti de Xerath pour suivre dans les teamfights, et là, Supa qui va se faire cancel juste après, qui va pas pouvoir se barrer. Et derrière, Kaliste et Targamas qui punissent très très bien et qui vont récupérer le kill sur Supa, il peut pas forcément faire grand chose le bug. Alors peut-être qu'il pouvait forcer peut-être le flash de Kaliste potentiellement s'il arrêtait d'auto-attaque. Là par exemple, je pense que son auto-attaque elle est de trop, parce qu'il doit se barrer à ce moment-là, il ne doit pas essayer de se retourner. Donc là, il remet une auto-attaque en plus, alors que honnêtement, il devait utiliser la vitesse de son ulti pour pouvoir se barrer. Il avait certainement le temps de juste courir vers sa base pour pouvoir se partir et au lieu d'auto-attaque. Et il n'avait pas besoin d'actualiser en permanence son passif. Parce que ça, du coup, ça laisse la possibilité à Kaliste de mettre une auto-attaque de plus. Après, on va dire que comme Kaliste a des bots améliorés, des bots rendus et pas lui, ça fait quand même une différence en termes de vitesse de placement. Mais dans ces cas-là, il faut pas, selon moi, partir sur ce genre de tentative de trade, parce que bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Derrière, il y a Alvaro qui a pris une plante explosive, qui se trouve dans une situation très dégueulasse, parce que du coup, il y a le Maokai. Je crois qu'il le voyait, du coup, parce qu'il y avait une ward qu'il avait posée juste avant, je crois. Là, il vient de poser une ward, et ensuite, il bump alors qu'il avait vu le Maokai. Mais du coup, il se retrouve dans une situation assez dégueulasse, parce que là, il a plus de flash. Il vient de prendre une plante explosive, et d'ailleurs, son Kari s'est fait tuer. Alors du coup, il essaie de se barrer, mais bon, c'est un Maokai en face, c'est chiant, tout ça. Et derrière, Isma qui va tenter un truc. Voilà, il y a le on va dire, la tentative de contre-engage de Alvaro. Isma qui est un peu late sur le coup, mais au moins il peut réussir à mettre des dégâts assez intéressants. Mais derrière, coup du sort, beau dodge de la part de Targamas, Kaliste qui se fait shield par Targamas derrière et qui du coup ne meurt pas, alors que par exemple Isma avait réussi à tuer Targamas avec le Q-spell, Kaliste serait mort aussi parce qu'il n'aurait pas mis du bouclier de Rakan. Et derrière, on a le bon travail de Cynicroft qui se met devant Isma pour pas qu'il puisse charger. Et puis derrière, il y a ce magnifique dodge into le Q-spell de Maokai pour pouvoir l'empêcher de toucher Targamas. Et Kaliste, lui, qui peut régénérer tranquillement et qui récupère. Seiken récupère le kill. Kaysen, le fameux. Du coup, pourquoi j'ai gagné cette action? Parce que derrière, à la fin de cette action, on est à quasiment 2k gold d'avance pour la Carmine. Et on sait très clair à ce moment-là qu'avec la jungle qui est dans un si mauvais état, et avec la botlane surtout qui est dans un si mauvais état que ça, ça va être compliqué pour les Movistar Riders de réussir à trouver cette win condition, d'avoir un early game qui est très fort derrière. Certes, le Xerath n'est pas si mal que ça dans la game, pour le coup il a réussi à trouver, je crois, un crash derrière, parce que le Seiken est obligé de back TP, et donc il va, je crois, perdre un peu de farm, je suppose, c'est ça, il a un peu de farm de retard. Donc c'est pas dégueulasse, mais derrière vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où les Movistar Riders peuvent pas particulièrement jouer à cause du déficit de gold, et ils peuvent pas réussir à obtenir un avantage suffisant pour pouvoir faire des trucs, quoi. Surtout que Marquis et Alvaro, alors qu'ils étaient parfaitement safe, je crois, non? Ouais, là Marquis a pas besoin de go in là à ce moment-là. Alvaro a pas besoin de repartir, il pouvait juste attendre, avancer vers sa tour, et derrière grab potentiellement le mur ici. Mais du coup, il se prend le charme parce qu'il a voulu esquiver l'ulti de Horn, et derrière, c'est finito, pipo, il se prend 2 kills. Et là, bon, 3k gold d'avance, là, on voit que ça va pas être... voilà, la wincon du snowball, elle n'existe pas. Donc derrière, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste? Il reste que le Xerath, un 1v9 pour pouvoir réussir à faire des trucs. Là ici, on a un exemple de draft, ou en tout cas de draft de moment dans la partie, dans lequel Xerath sert le mieux. Xerath est le plus efficace de ce genre de teamfight-là spécifique. C'est les teamfights où on a une tentative d'engage de la part d'Isma qui est assez loin du Xerath. Le Xerath qui a la possibilité de faire des pokes de loin sans qu'il soit particulièrement inquiété par la Carmine Corp. À ce moment-là, là, il y a une TP du Horn qui n'a pas encore commencé, machin, il attend un peu. Et là, la Carmine qui décide de s'extraire après avoir essayé de tenter de jouer la T2. Là, on a Marc qui se met derrière, qui empêche, qui se met entre la Carmine et la base, et donc qui se met vraiment en mode « Ok, vous m'affrontez ou vous vous paquez pas, quoi, basiquement. » Et derrière, du coup, la Carmine qui va revenir, qui va foncer dans Marquis, mais avec un de ces petits problèmes de focus dans lequel on va avoir, je crois, Cynicroft qui a décidé de se retourner avec, une fois que, on va dire, Kabouchard s'est fait gank, s'est fait hook,
Et derrière, on se retrouve avec. C'est pas Syncroft, si ? Non, c'est pas Syncroft, c'est Kabochar et Targamas qui. Vu qu'il y en a un qui se fait bump et derrière, le Targamas qui revient, qui essaie de continuer. Mais du coup, on a Xerath qui est en free DPS et qui peut du coup canaliser son ulti. Et qui va derrière utiliser le fait que Marquis se retrouve un peu plus tout seul qu'on aurait préféré parce qu'après le charme, il n'y a plus grand chose. Et derrière, il peut mettre son T-Stun sur Kalista. Hop. Et derrière, on a l'ulti de Xerath qui part. Une boule, deux boules, trois boules, et là c'est fini. Sachant que je rappelle, Xerath a maintenant un passif qui fait qu'à chaque fois que tu touches un projectile sur ton adversaire, le prochain projectile lui inflige plus de dégâts. Donc ouais, là, il a réussi à shutdown le carry principal de la Carmine, et là on se dit, ok, c'est très bien, mais du coup, est-ce que c'est suffisant dans ce cas-là? Parce que là, on est quand même à 2 kgold d'avance, à 18 minutes. Et pour le coup, pendant un moment, tu penses que non, parce que on a un trade kill qui est immédiatement fait sur le Nautilus, derrière on a Supa qui meurt aussi, on est en 3 contre 3. 3 contre 4 même, 3 contre 4, on se dit ok, peut-être que Muissa Riders malheureusement est trop derrière déjà et ils peuvent pas forcément survivre. Mais Frescoville est encore pas touché. Supa qui se bat vachement bien contre Seiken et qui en plus, Seiken se fait contrôler par Marquis à ce moment-là, qui profite quand même pas mal du bump de Syncroft qui l'amène vers Seiken. Pour derrière Stun, qui garantit le Q-spell de Xerath sur le Azir et derrière les deux carrés principaux sont terminés. Et là, il n'y a plus trop de dégâts du côté de la Carmine. On a Supa qui flash in pour pouvoir terminer Kabochar. Et là, au final, on se retrouve sur un Ace, je crois, non? Ou pas sur un Ace? Non, pas sur un Ace. Sur un 4 pour 1, 4 pour 2, excuse-moi. Et finalement, on voit qu'il y a quand même des moyens pour le Xerath de s'exprimer, quoi. Après, le problème qu'il y a, c'est que c'est un teamfight qui vient principalement d'une erreur de positionnement de la Carmine dans la jungle topside. Et que ça va être assez compliqué potentiellement de renouveler l'exploit. Parce que là, on est sur un teamfight qui avait pratiquement les dream conditions du côté de Movistar. Puisqu'on a Kalista qui se retrouvait malencontreusement au corps à corps contre un Renekton. On a Kabochar et Targamas qui viennent essayer de focus et de dive in sans dégâts les champions qui ne sont pas Xerath. Et qui donc permettent à Xerath de free DPS. Et derrière, on a quand même eu un Marquis qui a utilisé suffisamment le power spike en item de Renekton avec les jambières de Mercure pour les sandales de Mercure pour permettre d'avoir une tankiness supplémentaire et de pouvoir avoir le temps de poser ses dégâts en teamfight, ce qui a permis un peu avec le Xerath de Frescovi de revenir un peu dans le teamfight. Alors ensuite à ce moment là à la 24ème minute de jeu, on a le teamfight du Nashor où on a du coup la Carmine qui se met dans le bush en topside avant le spawn du Drake pour pouvoir potentiellement menacer un Nashor, vu qu'ils n'ont pas forcément la position pour le Drake, ils n'ont pas beaucoup de vision comme vous avez pu le voir, même si les Muissa Riders n'en ont pas beaucoup plus. Et du coup, ils décident d'essayer de potentiellement menacer un Nashor pour forcer les Muissa Riders à ne pas forcément se mettre dans les plis du Drake, sinon ils vont potentiellement se voir le Nashor leur passer sous le nez, on va dire. Et derrière, du coup, on a l'intelligence de Marquis qui passe quand même par derrière, qui utilise... Alors bon, après, là, il marche vraiment sur la plante, du coup, mais voilà, il utilise le flanc qui pousse un peu la Carmine à s'avancer vers les Muissa Riders. On a un très bon désengage de la part de Alvaro qui grabe le mur au moment où il se prend le bump, ce qui fait qu'il peut désengage sans problème. Mais c'est juste Isma, lui, qui se retrouve un peu bloqué tout seul. Et je sais pas trop ce qu'il fait à ce moment-là, parce qu'il n'est pas forcément obligé de partir. Déjà, il loupe son ulti complètement, il met un magnifique but. Et derrière, il se retrouve au corps à corps. Je sais pas comment il fait au niveau des clics. Parce que là, il peut mettre un ulti, mais il a encore son Q-spell partout. Et à un moment, n'importe où. Ouais, et là, il avance littéralement vers la Carmine. Alors peut-être qu'il essaye de gagner un peu de temps pour que Marquis puisse arriver. Mais du coup, il se retrouve vraiment littéralement en 1v4. Il va se faire retourner partout. Il flash in dash out. Mais même si... Enfin, déjà, il s'écarte de son équipe. Donc ça l'empêche son équipe de jouer particulièrement. Et en plus, derrière, du coup, on a... On a la possibilité derrière pour Kalista de récupérer le kill en faisant juste un pauvre petit flash-in. Derrière, du coup, on n'a plus de jungler du côté des Muissa Riders, ce qui est déjà suffisamment chiant parce que du coup, tu perds potentiellement les dual smite. Et donc, ça va te forcer à pas forcément avoir la meilleure position dans les combats d'objectifs. Mais derrière, du reste, on a Supa qui vient de claquer son ulti, je crois. Attends, il a claqué son ulti quand? Parce que je vois son... Ouais, ok, là, il claque son ulti à ce moment-là. Il met quelques dégâts sur Kabochar, mais c'est pas suffisant. Syncroft qui pour le coup va se faire contrôler à peu près de la même manière et qui va se retrouver aussi du coup se faire tuer aussi. On n'a pas de smite des deux côtés. Ok, pas dégueu. Derrière on a un ulti Nautilus qui part sur Seiken et du coup la Muistar qui va essayer de repartir, de re-engage. Mais le truc c'est que déjà on a Renekton qui fait du trampoline contre Ornn et contre Rakan. Voilà, donc là il essaie de flash in
Mais là, le problème, c'est que du coup, on n'a pas le bon focus du côté des Movie Star Raiders, parce que là, on a l'ulti de Nautilus qui est parti sur le Azir, et le grab le Z de Zeri, et potentiellement le hook de pas le hook de Nautilus, mais en tout cas, les sorts principaux de Zeri et de Nautilus qui partent sur le Azir. Que derrière, on a Marquis qui lui va essayer de flash in Caliste. Du coup, on a deux flancs différents sur lesquels Movie Star essaie de jouer. Ce qui fait que finalement ils finissent par gagner 0. Parce que du coup, là, on a Xerath qui certes a la position parfaite pour pouvoir ulti. Et derrière va essayer de tuer Caliste. Mais du coup, comme vous pouvez le voir là, il essaie de temporiser. Il met son premier ulti qui force l'ulti de Caliste pour pas se prendre tous les boules instantanément. D'ailleurs, il loupe son deuxième ulti en essayant de trop anticiper les déplacements de Caliste, alors qu'il pouvait juste attendre que Caliste sorte de son ulti. Surtout que Caliste a plus de flash, donc il n'a pas forcément besoin de timer un flash particulier. Derrière, il réussit à toucher le deuxième, et il loupe le troisième, et le quatrième touche aussi, donc il n'y a plus beaucoup de vie sur Caliste. Mais derrière, on a Marquis, vous avez vu, il fait du trampoline, il essaie de s'enfuir, mais il y a un mur d'Azir qui a été créé parce que Seiken, du coup, a décidé de se retourner sur Supa pendant qu'Alvaro, lui, a déconnecté. Non, en fait, il essaie de venir aider Marquis, mais le problème, c'est que du coup, bah, son support, il se... Son ADC, il se fait Shurima Shuffle into One Shot. Du coup, on n'a plus de carry AD du côté des Movie Star Raiders. Il ne reste plus que le Xerath comme source de dégâts. Marquis qui se fait du coup bloquer par la partition impériale et qui peut donc plus s'enfuir. Il essaie de revenir, mais il va mourir. Il va essayer d'utiliser Zonia, mais il va crever quand même. Alvaro qui a failli crever aussi pareil sur un poke de Seiken. Et derrière, bon, on est bien dans la merde du coup pour les Movie Star Raiders, parce que là, on va se retrouver dans une position où on peut essayer de tenter un achat du côté de KC. Alors... c'est pas le Nashor le plus facile de l'histoire, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de champions qui ont plus beaucoup d'HP, et contre un Xerath avec Luden, le bâton du vide, c'est pas dégueu, on va dire. C'est assez dangereux de la part de la KC de tenter ça, mais l'avantage qu'ils ont, c'est que le Nautilus a plus forcément de flash. Il a vraiment qu'un X flash, mais il peut très certainement se faire cesser s'il fait pas attention. Et il peut pas forcément rentrer dans le pic pour essayer de trouver un CC, et derrière permettre au Xerath de mettre des pics. Donc le problème qu'on a, c'est que déjà, on a Frescovi qui va charger son Q-spell et qui va toucher personne. Et là, c'est problématique parce que, oui, là, on voit qu'ils ont plus de ward, du coup. Alors, ils ont une ward du côté d'Alvaro, mais il peut pas la poser tout de suite parce qu'il y a une pique et que ça dure que quelques secondes, la vision de ward normale, quand il y a une pique de dessus. Donc, tu vas peut-être avoir envie de la toucher, enfin, de la mettre plus tard, quoi, on va dire. Mais le problème qu'on a, du coup, c'est que derrière, là, on a Frescovi qui loupe un Q-spell, qui était un poke précieux qu'il aurait eu peut-être besoin potentiellement si ça touche. Il peut, derrière, sur le prochain Q-spell, essayer de one-shot Caliste, par exemple. Ce qui pourrait poser un gros problème, il peut essayer de one-shot Seiken aussi à peu près dans la même manière. Donc ouais, là il lui manque un peu de poke, il n'y a pas ses rotations de CC derrière. Là il va attendre, il va recharger un deuxième Q-spell, là cette fois-ci le Q-spell il va toucher. Et là il va toucher Caliste et cet Targamas, et dont Targamas qui va crever cette fois-ci. Et là il reste par contre que 2000 HP et il n'y a plus de Nashor de l'autre côté. Le Z qui est tenté de la part de Frescovi, mais ça va pas permettre de tuer Nashor. Et derrière il a... on a le Alvaro qui décide de flash Hextech out au lieu de flash Hextech in d'ailleurs, parce qu'il aurait très bien pu essayer de flash Hextech in pour essayer de continuer à contrôler Kabocha. Il aurait peut-être réussi à le tuer potentiellement. Mais ouais, et malheureusement le dernier Q-spell de Frescovi qui arrive trop tard, et du coup le Nashor qui va dans la possession de Carmine Corp sur 4 personnes si je me trompe pas. Attendez, je crois qu'il l'a eu, ouais. Je crois que Seacroft l'a eu, mais de peu. Ok. Bon, donc ouais, c'est dommage parce qu'on n'était pas si loin que ça de la part de Movie Star Raiders de réussir à un peu sauver le mauvais teamfight de leur game. Malheureusement, ça s'est joué à un ou deux Q-spell de Xerath près, et au final, la KC qui arrive à sortir avec un Nashor. Est-ce que dans ce genre de cas, on peut dire en tant que Xerath, bon, je vais flash in pour mettre un Z sur Caliste ou ce genre de truc. Mais le truc, c'est que si derrière il loupe, il a l'air d'un débile et... il reste quand même des Nashors sur lui, et il a aussi un gros shutdown sur lui, donc c'est pas forcément une possibilité en réalité. Donc ouais, pas forcément un fight le plus facile pour Movie Star Raiders, mais il y a des erreurs dans le teamfight qui ont fait qu'ils ont pas pu forcément s'en sortir. Et derrière, la KC qui a su complètement, capitaliser sur ces erreurs-là. Notamment, on a du coup cette capacité à récupérer, on va dire, profiter du manque de focus des adversaires, par exemple de Isma qui se positionne mal, et derrière Caliste qui flash in instantanément parce qu'il sait qu'il faut récupérer le kill sur le jungler le plus vite possible. Derrière, malgré la mort de Syncroft, ça se sépare de manière assez intéressante. Seiken qui se retourne sur Supa alors qu'il aurait pu se faire engage, il aurait pu se barrer, il aurait pu essayer d'attaquer le,
le Renekton qui se fait plus par tout le monde. En attendant, là, il décide de quand même se retourner vers Isma, ce qui va Isma, vers Supa justement, qui va lui permettre de récupérer le kill. Et derrière, Kalis qui réussit à esquiver juste le bon nombre d'ultis de Xerath pour survivre à ce moment-là dans le teamfight. Et derrière, le contrôle suffisant sur le Renekton. Et derrière, le cool nashor intéressant. Et enfin, il y a la dernière action dont on va parler dans cette game-là. C'est l'action de la fin de la game, on va dire, sur laquelle il faut remonter plusieurs temps en arrière. On a la résistance de Movistar Raider après avoir perdu deux inhibs qui essayent quand même de récupérer leur dernier tour. Et là, on voit un peu le problème qu'il y a avec Xerath, c'est que déjà, une fois que le Nashor est récupéré, Xerath n'est plus forcément un bon utilisateur, un bon wave clear, parce que les sbires ont une résistance aux dégâts magiques grâce au Nashor, et donc c'est vachement plus compliqué pour lui de réussir à détruire les phases de sbires comme il le faisait avant. Ensuite, là, on voit l'ulti de Syncroft qui est là pour un peu empêcher les Movistar Raider de faire des trucs. Là, on a Isma qui trouve un magnifique engage, parce que là, c'est une espèce d'ulti incurvé, regardez. Il va dash avec l'ulti qui est buffer, ce qui fait qu'il va quand même toucher Kalis, qui va le forcer à cleanse. Mais du coup, d'ailleurs, il a perdu sa cleanse, il est obligé d'ulti l'ulti out la grenade ASM de Nautilus. Et derrière, on a Marquis qui, pour le coup, lui, overstep un peu, parce que pour le coup, on aurait pu se contenter de ça du côté de Misfits, parce que là, il se prend le même de Horn, et derrière, il se fait one-shot, parce qu'on n'est plus vraiment sur le Renekton d'il y a quelques minutes, surtout qu'il est parti sur Ange Gardien au lieu de partir sur Sterak, et que donc, il manque énormément d'HP en plus de ses résistances, ce qui lui a porté un peu préjudice dans la game. Parce que là, il se fait vraiment one-shot, du coup, et comme il n'a pas son Ange Gardien, et ben, ce qui fait qu'il a acheté il n'y a pas la raison pour laquelle il a acheté l'ange gardien quoi. Là il se fait one shot assez rapidement et derrière du coup on voit que Yasupa qui essaye de mettre les dégâts qu'il peut et du coup la KAC qui très intelligemment va du coup se reculer pour pouvoir temporiser l'ulti de Zeri. Et une fois que l'ulti de Zeri passe qui est fait et ben maintenant elle peut pas Isma enfin Supa je veux dire il est sur un gros cooldown d'ulti il peut pas forcément DPS aussi bien. Targamas qui est très intelligent qui va réussir à récupérer la wave mid avec l'Onashore et qui va donc permettre de push sur deux lanes, même avec le support, ce qui est un truc que font beaucoup de supports en compétitif, notamment Aegisang, qui s'est fait une spécialité d'amener les sbires avec le Nashor, juste en se positionnant à côté d'eux, en étant par exemple dans des picks comme Pyke ou Rakan, justement, qui ont pas mal de mobilité, qui fait qu'ils peuvent pas forcément se faire collapse dessus, sans que les adversaires, on va dire, doivent sacrifier pas mal de membres pour ça, et donc dans ce cas-là, c'est worse, parce que derrière, de l'autre côté, ils peuvent clairement en profiter pour récupérer des trucs. Là, on voit que du côté de Frescovi, le gros problème qu'il a, c'est qu'il n'y a pas encore son Ravadon. Et c'est problématique parce qu'en vrai, 4 items, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc. Mais là, vu qu'il lui manque encore son Ravadon, ça fait un peu mal. Et on voit que son poke, même s'il met des pokes intéressants du côté contre Kalista, vous avez vu là. Et s'il a plus, il a plus qu'un flash, il se prend le Q-spell de Xerath et il a failli se prendre le grab de Alvaro. Alors, par contre, il a touché Syncroft à la place. Et là, par contre, du coup, le problème, c'est qu'on ne laisse pas le temps, que ce soit du côté de Carcé ou de Movistar Riders, au Xerath de mettre son poke. Et derrière, voilà, là, on loupe un Q-spell sur Kalista. Et là, c'est compliqué pour lui de jouer, quoi. Parce que là, vous voyez, en fait, si on laisse le temps à Xerath de poke les Karine, pourquoi pas. Mais là, on voit que, comme il n'arrive pas à toucher suffisamment Kalista et Seiken, et ben derrière, il a aussi la frontline qu'il doit essayer de gérer. Et sa frontline à lui commence à crever plus rapidement que l'autre, parce que là, on a Alvaro qui flash out, mais Supa qui a failli se faire one shot, Isma qui rentre dans la mêlée puis derrière qui se fait one shot et derrière les joueurs en Movistar Raider qui tombent comme des petits pings et du coup Frescovi qui ne pourra qu'assister à la destruction du Nexus de la Carmine Corp pour enfin le quatrième sacre de la Carmine en 4 participations des Masters plutôt, pas 4 ans, mais même si c'est 4 ans aussi mais c'est plus classe si on dit 4 wins en 4 participations, donc ouais. En tout cas voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match et en général de l'année de la Carmine et du Movistar Raider. Alors pour le coup j'ai pas autant vu Movistar Raider que la Carmine, donc je vais juste terminer sur eux en disant que je pense qu'ils ont un noyau de joueurs principaux qui est donc Isma, Frescovi et Supa qui est très fort et pour le coup je serais assez surpris de voir aucun des trois qui arrive en LEC l'année prochaine. Spécialement Supa d'ailleurs parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent être assez qui peuvent potentiellement se faire remplacer en AD carry potentiellement un peu comme Frescovi qui peut prendre la place de certains midlaners dans le LEC en général. Je vais regarder au niveau des midlaners du coup, ouais. On va dire que, alors je vais pas donner les noms des joueurs pour pas forcément, on va pas forcément essayer de manquer de respect à certains joueurs en LEC, mais je pense qu'il y a au moins 3 midlaners en LEC qui peuvent potentiellement se faire prendre leur place par ou Frescovi ou Seiken,
Et je pense que ce serait forcément mérité de, vu la versatilité dont a fait preuve Rescovi. Parce que pour le coup, si j'ai bien compris, je crois que Rescovi a sorti des trucs intéressants. Parce que par exemple, si je me trompe pas, c'est 2S. Ouais, c'est ça, il nous a sorti un Ezreal mid à un moment dans la game 4. Et c'est aussi lui qui a sorti le Lucian en mid lane au lieu de la Kai'Sa qu'on avait l'habitude de voir en mid lane. Donc ouais, il a un champion pool qui est assez, assez on va dire, assez profond en général et qui peut jouer pas mal de trucs différents. Et même si ça, il y a des moments où, voilà, quand dans son Sylas, on va dire, dans la première et la deuxième game, je crois, ça rend pas particulièrement bien. Parce que bon, le pick n'était pas particulièrement si fort que ça. Pour le coup, là, il arrive quand même à être plutôt fait dans la game. Mais bon, voilà, c'est au bout d'un moment, ça devient trop compliqué pour un Sylas de gérer autant de menaces hein, au bout d'un moment. Notamment quand le Azir en face est giga fed et où t'as un Yasuo qui est difficilement duellable, on va dire. Ça rend le truc vachement plus compliqué pour lui. Et pour le coup, je pense que c'est un joueur qui a pas mal d'avenir, tout comme Isma et Supa, qui peuvent clairement faire des trucs intéressants de leur côté dans le LEC. Ou alors, s'ils veulent rester en Duel Master, je pense que ça peut aussi être une bonne opportunité pour les Movistar Riders d'essayer de reconquérir potentiellement, enfin, de conquérir une bonne fois pour toutes ces Duel Master si la Karmine Corp venait à se retrouver dans le LEC l'année prochaine. Voilà. Ensuite, du côté de la Karmine Corp, bon, on va pas se le cacher que... Bon, j'avoue qu'au tout début, quand j'ai vu la line-up du Summer, je me suis dit, bon, c'est un peu la solution de facilité. C'est-à-dire, tu reviens avec exactement le même roster, sauf en mettant Kaliste à la place de Mati. Et bon, alors mes respects à Mati, hein, mais Kaliste est, je pense, nettement supérieur à ce dernier dans à peu près tous les compartiments du jeu. C'est assez facile à voir, on va dire. Voilà, c'est... On va dire que c'est un peu la facilité dans le sens où ils ont déjà joué avec la Karmine, ils connaissent déjà, mais pour le coup, il y a eu un step-up assez important des deux côtés de tout le monde. Et en plus, le développement de Kaliste en tant que rookie qui venait de la Div 2, fait que même à ce niveau-là, je ne peux pas forcément me plaindre du recyclage, entre guillemets, surtout que Syncroft, lui, n'avait pas trouvé d'équipe parce qu'il avait été injustement sorti après, on va dire, le fiasco qui avait été son passage chez BDS, je crois. C'est ça, c'était chez BDS justement, où ils ont essayé de faire une grosse refonte du roster, mais je pense que Syncroft pouvait complètement rester en LEC. Donc c'était bien d'avoir réussi à le récupérer, tout comme Targamas qui a eu un passage très très mauvais chez Excel, et pas forcément à cause de lui, hein. Pour le coup, le management d'Excel, on est tous conscients du fait que c'est vraiment assez honteux ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pas forcément le seul à en parler, donc ouais, au moins l'avantage que je vois ici, c'est qu'on a du côté de la Karmine, c'est pas forcément que du recyclage pour le fait de faire du recyclage, c'est pas juste de dire ok, ça va pas marcher avec notre nouvelle composition, on va revenir à celle d'avant. C'est vraiment aussi pour rendre service aux joueurs qui étaient dans une mauvaise passe après leur passage à la Karmine, notamment Syncroft et Targamas, et en même temps pour développer Kaliste, qui est un rookie qui est, bon, je pense vous avez un peu vu qu'il est assez intéressant quand même, parce que arriver en première game, sortir un Yasuo bot et un V1 un V1 ton opposant en mid lane littéralement avec cette classe qu'il a eu assez facilement, et garder ses mécaniques et avoir une justesse dans les cooldowns qu'il utilise et dans son positionnement qui est assez impressionnante pour le coup. Et ouais, si vraiment on a la loi qui passe, que j'ai vu passer sur Twitter, comme quoi en LEC maintenant l'âge minimum pour participer sera de 18 ans et que du coup Kaliste va devoir attendre encore un an pour pouvoir aller en LEC, c'est vraiment scandaleux, parce qu'il mérite d'arriver au haut niveau et de faire ses premiers Worlds le plus vite possible, parce que ce joueur est un diamant brut, quoi. C'est un truc assez incroyable. Donc ouais, je pense que la Karmine, bon, on sent avec cette victoire en Master qu'ils ont besoin d'aller en LEC, enfin, pas qu'ils ont besoin d'aller en LEC, mais que, on va dire que c'est un parcours, c'est une progression que je considère comme étant logique de la part de la Karmine d'aller en LEC, parce que honnêtement, ils sont en train de jouer dans leur bac à sable en Master, c'est-à-dire que voilà, enfin, il n'y a plus vraiment de challenge, quoi. Quand tu gagnes la même compétition 4 fois de suite, je me doute bien qu'au bout d'un moment, Seiken, lui, il a gagné 4 fois de suite les EU Master, enfin... Au bout d'un moment, il peut y avoir une certaine lassitude qui arrive, et même au niveau de la Karmine, même si s'étendre, on va dire, autant qu'ils se sont étendus dans LFL, c'est toujours bien, et pour le coup, c'est une petite révolution qu'ils sont en train de créer à eux seuls dans l'écosystème européen. Je pense que c'est une structure qui mérite de participer aux Worlds de League of Legends, c'est une structure qui mérite d'affronter d'autres écuries comme G2, comme Fnatic, même comme MAD, dans des...
des compétitions à enjeu, on va dire. Et je pense clairement que c'est le bon moment pour faire ça, parce que c'est un split où tu vois que lorsqu'ils ont un roster qui fonctionne, lorsqu'ils ont réussi à sortir des, on va dire, des errances qu'il y avait eu au Spring Split, c'est une équipe qui est inarrêtable. Les Masters, c'est leur compétition, quoi. Donc je pense que si on devait créer des up and down juste pour une saison, ce serait pour celle-là, quoi. Mais bref, donc voilà. Pour ce qui est de la draft en elle-même, on voit que c'est une équipe, la Carmine, qui a une draft qui me rappelle un petit peu celle de G2, dans le sens où elle, c'est une équipe qui a pas peur de sortir des picks qui sont pas forcément conventionnels, tout comme Movistar Riders d'ailleurs, hein, pour le coup, parce que je trouve que Lucian Mead et le Ezreal Mead, c'était un truc qu'il fallait sortir, quoi. Il fallait avoir les couilles de sortir quand même, hein, surtout en finale. Mais voilà, on a une versatilité au niveau de la Carmine, parce que du côté de Kalis par exemple, le mec a joué Yasuo, Kog'Maw, Draven et Xayah sur le même BO, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de jouer des picks plus différents et d'avoir des prestations toujours assez intéressantes. Bon, le Draven n'a pas fonctionné en Game 4, mais ça reste un pick qu'on sait qu'il peut maîtriser, et on peut pas dire ça de tous les AD carry, quoi. Donc ouais, il y a ça. Il y a Xavier Bouchard qui est toujours une valeur sûre dans la top lane, qui est capable de sortir sur les Sin top à n'importe quel moment. Mais voilà, j'imagine que c'est un truc que tu peux donner en termes de versatilité, même si bon, je serais pas particulièrement fan du pick en général, hein. Mais ouais, c'est un truc qui est possible de leur part. On a le fameux Ryze de Seiken, qui est, je crois, le seul à sortir ces derniers temps, parce que bon, c'est pas comme si le pick était énormément plébiscité en ce moment, mais on sent que c'est toujours dans la possibilité du joueur, tout comme la Senna de Targamas, pareil. On sait que Targamas est aussi un des joueurs qui a le plus gros champion pool possible des supports. Il suffit de voir le Spring Split qu'il a fait avec G2 l'année dernière, où il a quasiment joué un champion différent par game, pour s'en rendre compte, tout en étant bon à chaque fois, quoi. Et après, pareil pour Syncroft, bah, c'est un joueur qui est capable de jouer, on va dire. Bon, là, il a joué des réels toute la game, mais ce que je veux dire, c'est non, il a joué des Sejuani aussi. Mais c'est tout ça pour dire que lui aussi, il a quand même des capacités de jouer des picks, bah, qui vont rendre service à son équipe et qui vont lui permettre d'avoir quand même de l'impact dans la partie. Et je pense que c'est clairement ce dont la Carmine a besoin. Bref, donc voilà. Je trouve que c'est des drafts qui sont très très intéressants de la côté de la Carmine. Le côté de Movistar Riders, c'est aussi un peu pareil. Je trouve que c'est potentiellement le plus gros adversaire qui va jamais affronter la Carmine, je pense. Même si on prend en compte des trucs genre Fnatic Rising, potentiellement. Je pense que ça reste, on va dire... Il y avait quoi? Il y avait Fnatic Rising, il y avait les BTXL aussi. Ouais, non, en vrai, il n'y a pas forcément photo. Je pense que c'est les meilleurs adversaires qui a jamais affronté la Carmine en finale de U-Master, on va dire, en tout cas. Donc ouais, je pense clairement que c'est une équipe qui a quand même vachement du potentiel, mais dans la game actuelle, le problème qu'ils ont eu, c'était de se commit trop sur cette draft full go-in, ce qui fait que bah, ils ont mis trop de ressources, enfin trop de ressources, ils ont mis trop de poids sur Frescovi, et Frescovi, malheureusement, bah, il peut pas carry 3 games d'affilée en étant le seul joueur de l'équipe, même s'il n'était pas le seul joueur de l'équipe dans les autres games, mais c'est bien ce que... En gros, quand ils... C'est très difficile de demander à un joueur de carry toute son équipe juste à cause de son pick, quoi. Donc ouais, clairement, c'était compliqué, quoi. C'est compliqué pour lui de jouer cette game en étant à fond et de réussir à carry l'intégralité de la game. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un peu plus de review de game, on va dire peut-être des games un peu plus anciennes d'ici les Worlds, notamment peut-être la finale de la LPL peut-être, et il y a aussi la finale du LEC qui arrive aussi, bien sûr, histoire de mettre un peu, voilà, de donner un peu de vidéos en attendant les Worlds qui arrivent dans 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, pour ce qui est des ERL, c'est terminé pour cette année, pour le coup, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer dans l'off-season, notamment si la Carmine va réussir à passer en LEC, notamment, hein. Voilà, il faut aussi se dire que c'est pas forcément quelque chose qui est pressant. Je continue à dire que la Carmine était un truc, enfin, la Carmine en LEC, c'est une évolution que je considère comme étant logique, mais il faut pas non plus presser ça, parce que pour le coup, on va pas se le cacher, en ayant vu la finale à Montpellier du LEC, c'est pas une ligue qui est dans la position où elle peut demander, inciter la Carmine à venir les rejoindre, parce que même si le LEC va de plus en plus avoir besoin de la Carmine, la Carmine n'a absolument pas besoin du LEC. Donc ouais. Bref.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide pour le référencement. Si vous avez un avis à donner sur la game ou sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'essaie de répondre à tous. À tous les commentaires, c'est en gros. J'essaie d'y répondre à tous. Je sais pas comment on dit, bref. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et à mettre la cloche pour avoir les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, tout le monde.